yon citoyen décide fè yon vidéo pour le répondre André Aped. Nan jou ki sot passé yo la, André Aped li te publié yon note côté li t'a corrigé cahier ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly, côté li allé pour le dire madame non c'est fréquent si t'es dérespectant ou pas gen droit mettre non moi sale non famille pas qu'on aime participer dans déstabiliser Haïti pas dans tête lang à gang à bandi comment non faire là etc. Eh bien vidéo ça jeune garçon ça li fait pour le répondre André Aped là en vérité le craser la république. Ou pral tande des séries de informations, ou pral tande des séries de causes et de révélations, qu'a fait sous André Aped, qu'a fait sous famille Aped, en vérité, Haïti pa ka sorti côté lié là, d'autant moun sa yo continue gen contrôle pays. Moi-même zézi parce que gen moun ka pran exa yo pou bon moun parce que c'est yo même qui nan construction, c'est yo même qui nan question et manger nan pays, yo nan tout sauce. Eh bien c'est même yo même qui cancer, c'est même yo même qui poison pour pays. Tellement gen cause mes amis moun yo, rale ti chèz ou chita, déjà partage vidéo parce que gen bagay pou konnen. Yo l'autre bon gen premier ministre Ariel Henry nan moment là. Gouvernement la prend 2-3 patasouel, bon patasouel. Gen yon coup nan pouvoir riel la, madame Amouche, ménage, et ti madame, ti ménage yo. Eh bien, nan moment la, monsieur dame yo gen vant men la police ak la justice la gen degi don de moun zan yo, et m'pa kache dou gen yon gros pression, gen yon pil menace ka fèt la, nan apparaît justice en dedans des CPJ pour pas manyen intouchable zayo kap supporter pouvoir Ariel. Nous pral ba ou détail nan yon ti moment. Yon lot bo ginye secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui décide fon coup de pied dans pays d'Haïti. Ou pral konn exactement nan ki objectif puisque ginye pays Canada ak Brésil la qui décide coller les épaules pour aider PNH. N'a pas gagné pour une finie émission avec ancien premier ministre Jude Joseph. Par contre, qui ça ancien premier ministre le boit en vérité, ancien PM n'a vidé l'estomac net. Li vide l'estomac net, li vide votre net dans dossier assassinat président Jovenel Moïse, dans dossier pays, journaliste qui t'a chèque en dedans palais national, qui t'a vinn prendre l'argent dans mes président Jovenel Moïse. Et ça plus grave là. Gen ensemble de dénonciation que ancien PM n'a fait, gen ensemble de révélation le fait sous ancien président Jovenel Moïse, moi même pas de connaître, ça te ka rive ou même tout pas de connaître, eh bien, gen yon froid, nous tande que ancien président Jovenel Moïse li en déplacement, li sorti, eh bien, sortande à la, groupe sécurité qui a protégé le président, yo lagé président pour quoi président et puis yo même y a bataille entre yo. Non par contre si c'est poivre opposition politique là c'est simé entre yo. Nous par contre si c'est depuis la complot à ta fait pour assassiner président, nèg yo a bataille entre yo président sans sécurité. On va le temps déroser oui. Restez là déjà partager vidéo, m'a encourage au fait ça puisque je dis en la gain bagaille pour qu'on ait qui a secoué la république tout bon. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous êtes? C'est un grand plaisir, comme d'habitude, pour m'avoir avec nous dans l'émission, mon éditorial avec Yannick, pour me porter information pour vous. Sous pourquoi abonner à la chaîne, on fait tomber sur la chaîne, on sous TAC 509, tout haïtien connecté. Songez pour abonner, parler, pas garder son pas abonné, activer la cloche notification. Et comme ça, vous pouvez rester connecté avec nous ou pas prêter aucune information dans la vidéo. N'a pas gagné. Pour nous poster. Et d'autres jeux, mes amis, nous prenons rapide parce que tellement d'informations pour nous partager avec vous, nous prenons des informations qui sont superficielles. Mes amis, et j'en ai annoncé dans le commencement de l'émission, eh bien, il y a un secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui-même, il dit qu'il n'a pas fait un coup pays Canada, il n'a pas fait un coup Jean-Louis, autorité canadienne, il a fait avec Haïti, il a décidé pour aider PNH, il a mis les murs en République Dominicaine, ZPT, etc. Lui-même, il a fait un bagaille, l'autre genre. Eh bien, secrétaire général des Nations Unies,
samedi 1er juillet k'ap gen pou vini la l'a sous sol la l'a nan la coupe pays d'Haïti côté li décidé pou le faire yon état des lieux la vini pou le vini constater a détournawel de grangel ça k'ap passé en dedans pays en situation politique là et question instabilité politique la question gang avec bandi en k'ap brasser bien société mais nous connaît déjà si son état des lieux qu'a vinn fait si c'est constat qu'a vinn fait de situation paysan et gen quelques petits côtés me penser faut que premier ministre Ariel Henry faut que l'état essayer passer avec secrétaire général là pour voir réalité parce que Matissan là 2 ans là Matissan moun pa ka comprendre pa ka fréquenter Matissan libre nous pas qu'à fréquenter quoi des bouquins, pas qu'à passer Canaran et Torsel, ou pas qu'à passer gang vite l'homme non. Donc payant tellement gangsterisé, tellement des fois et gang, tellement des fois et bandit etc. Là y a une période difficile. Là y a tellement difficile je ne je dis hein, que pour communauté internationale là, finalement pour une décision. Pour monsieur dame yo choisi aider Haïti véritablement yo dou faut que yo garder faut que yo constater faut que yo font état des lieux faut que yo garder qui réalité nan vie réalité en qui s'allier secrétaire général Nations Unies qui s'allier la République c'est que nous pas ka passer Matissan Matissan est praticable parce que gen gang et Izoa nèg village yo nèg ti la pli yo gang avin gen nèg Chris la etc nèg sa yo décidé à occuper périmètre là ou pas ka passer Canaran toujours allié Izo nèg Jeff Canaran yo ou on a ville c'est même bagay là ou gen chien méchant ou gen nèg G9 yo ou gen nèg G peuple cité soleil tout côté foyer gang yo tout côté population peuple pas ka passer hein et bien journée jodi an la li important si bon état des lieux sérieux a fait et fort Ariel Henry ta assumé responsabilité pour la montrer et secrétaire que véritablement gen quelques type gen quelques côté dans pays hein qui bloqué territoire perdu ça yo faut que ta mené secrétaire al visiter yo pour voir est-ce que territoire perdu tout bon et c'est à partir de là que les Nations Unies a gagné pour décider de situation pays et là nous gagne autorité qui pas prend responsabilité yo là gagne un ministre justice dans pays qui donc Matissan son territoire perdu qui dou zone foyer criminogène yo côté gang yo a ferraille des territoires perdus et puis kounye a ou est-ce numéro 1 Nations Unies qui décide venir li dou yo même Jean Canada fait bagay yo même yo décide venir sous place venir sous terrain pour évaluer pour rencontrer acteur yo parce que non seulement l'a gagné pour chita avec et pouvoir Ariel Henry avec membre dans gouvernement l'a gagné pour chita avec et membre et ACT yo l'a gagné pour chita avec divers partis politiques l'a gagné pour rencontrer divers catégories monde seulement yo pas dire est-ce que le va rencontrer avec leader G9 là est-ce que le va rencontrer avec chef de bande ça va pas faire mention de lui mais vérité c'est qui s'allier même chef de gang ça c'est des acteurs dans crise. Ils ont à proprement parler, si la pli l'amour sans jou vite, l'homme ak tout l'autre acolyte gangster yo, yo c'est des acteurs, faut qu'on ka considéré yo à partir d'un problème pays, jounen jodi, faut que la police en mesure pour le traquer nexa ou pour l'éliminer nexa yo, ou bien garder comment nous ka désormais nexa yo, parce que pas gen bien caché l'ombre d'accord, pas gen bien caché l'ombre parce que c'est nous même qui payons pour te casser, hein, c'est nous même qui fait frais incompétence de série de nèg qui, pas régler rien dans l'état. Et bien faut que moi dis nous hier mercredi gagné ministre affaires étrangères et canadien Mélanie Joly qui était allé rencontrer avec président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Et bien dans divers échanges t'a fait parce que gagné et gagné relation Brésil Canada que monsieur Damio y a géré tout mais président brésilien il pas raté occasion pour venir avec dossier Haïti en sous table puisque pendant dernier temps ça yo la semaine qui se passe à Ariel te chita parlé avec Lula da Silva et qui ça te parlé te gen question support pour la police te gen question vin garder comment yo ka aider PNH et bien président brésilien il reprend même discours ça il reprend même problème Haïti a traversé même problème sécurité n'a traversé comment yo ka aider résoudre et bien dans moment là
Canada avec Brésil a regardé comment yo ka étudier yon forme de coopération pour yo supporter PNH pour yo aider Haïti. Mais ça qui beaucoup plus intéressant, puis bonne nouvelle là que en pile haïtien apprécié, que en pile haïtien bat bravo, c'est le fait que gagne président Salvador là, Nayib Bukele, nous connaissons Salvador dans moment là, c'est pays numéro 1 en termes de référence dans ça qui vient pour avec façon il y a kwape gang, façon il y a traqué bandi, façon il y a fini avec malfaiteurs. Surtout en Amérique et dans Amérique centrale là. Ça li extrêmement important. Eh bien, gagne président Salvador, là, Nayib Bukele, avec vice-président Félix Ulloa. Eh bien, monsieur, a annoncé, yon paré là, pour yon vin installer yon bureau de coordination en Haïti, pour yon aider PNH en fait face avec question gang, pour yon aider PNH en démanteler, traquer gang, yon traquer bandits à yon, qui empêche nous vivre. Donc, automatiquement, et nouvelle la note là, t'es sorti, à pile moi, pile, pile, moi, n'a pour les informations, parce que, et nous intéressés, oui, nous intéressés, parce que, puis l'effort nous qui fait dans pays Salvador, c'est pas ni États-Unis, ni Canada, ni la France qui fait yo, c'est président Salvador là qui connaît les grands pays pour le diriger, qui connaît le gain en population pour le protéger, li gen en société pour le garantir bien-être. Et puis li assume responsabilité. Si c'était pour États-Unis, Canada, la France avec un paquet de pays qui constituent corps groupe, je ne jodi à la Salvador t'a pas te plate chaque jour. J'étais content des niveaux de criminalité chaque jour mon a mouri Salvador. Chaque jour bodi a touye mon on continue comme ça était capi grave. Mais leur te mande yo aider, leur te mande yo coup mais yo pas choisi balil la façon le là bien li même li rete ou kapel prend distance avec yo, li prend distance avec pays sa yo, États-Unis pays occidentaux sa yo, et puis li même nan façon pal li fait démarche pal li pour gérer pays, pour gérer tête li. Nous même qui ça n'a pas nous chita, nous gon gouvernement, gon pouvoir en place ça que chita capitaine bonne grâce, capitaine faveur, capitaine bénédiction Nations Unies. Où est la 1er juillet qui a brivé là, samedi là, m'pas besoin d'où Jean-Riel pral content, Jean-Riel pral tellement senti en joie, leur Antonio Guterres débarqué, parce que automatiquement le débarqué, Ariel pral tellement montré que tout bagay critique. Bon, m'y impression samedi ça, si pas bon niveau monté d'insécurité en dedans pays, m'pas parce que nèg yo pral fait tout moyen possible pour montrer que véritablement PNH pas capable et bandi k'ap pété fiel nous k'ap traquer nous vrai bandi ap touye nous ni ap touye nous vrai. Donc y a tous les coups nous voulons comprendre c'est ou même qui en bas, c'est ou même qui victime non, c'est nous même qui perdant et ça li extrêmement important et pour nous gérer. Maintenant on a rentré dans ça qui vient pour avec et dossier et justice, dossier politique en dedans pays. Eh bien là, et véritablement, la justice en dedans pays d'Haïti a souqué rôle tout bon. Le ça bon nous dit le bon, le ça pas bon tout, n'a dénoncé, n'a critiqué et n'a exhorté nèg yo. Nan moment là, nous ouais système justice paysan, li sou en bonne voie. Gen juge en dedans appareil justice tan là qui montre yo c'est des juges qui valables, qui a font travail impartial. Ouais, bah, tes amis, acolytes, amis, t'as pas que bagay créé politique, supporter politique qui a géré là. Son question de pays, son question moun ka foure menan jakout peplan, son question de moun ka vole l'argent payan, son question de moun ka kase bras haïtien, haïtien malere malere. N'ap gade avèm nan photo sa, eh bien, ça, monsieur sa wap gade la, lirele Michel Mercier. Lycée ancien mini-justice français. Tenez bien, oui. Là, qui ça nous est qui écrit? Dans tweet là, d'où ancien garde des Sceaux français, hein? Michel Mercier a été condamné pour le payer 234 236 € au Sénat au titre de préjudice financier pour avoir octroyé des emplois parlementaires fictifs à son épouse, notamment à ton appris mardi de sources judiciaires. Donc, ancien ministre de la justice français, qui a bâillé moun de série de jobs fictifs, c'est comme si l'emploi ou met travail, l'emploi ou pour faire travail n'a pas existé, c'est corruption. Et qui ça a fait? La justice condamne pour le payer 234 236 € pour qui ça? Parce que l'État fait corruption, l'État fait trafic d'influence, l'État participé dans détourner l'argent. Donc, comprenez bien.
Là, nous pas tendez une question de persécution politique, pas tendez une question de parce que on connaît son potentiel candidat à la présidence, etc. Parce que il y a une enquête qui fait, il y a des révélations qui fait, il y a un lien de causalité, cause à effet qui montre que ou créer des emplois fictifs ou toucher l'argent, etc. Jouni jodi an la, moi même qui ça vle. Grand pays sa yo kap marche, grand pays sa yo kap fonctionne, etc. C'est parce que justice la ka yo pa konnen ni grand nèg ni malere. Justice la ka yo de pou kon ou te participe nan détourner l'argent, te participe nan kase ponyèt moun, nan vole nan kes l'état. Tôt ou tard, fòk yo pose aux questions, tôt ou tard, fòk ou pran sa la loi di ki réservé a ou même comme sanction. Et c'est là nous devons commencer. Récemment, je parlais ça dans l'émission, C'est le début de la fin du règne de l'impunité en Haïti. Début de la fin. Vous comprenez? Commencer à attaquer directement des séries de monde officiels dans l'État, des séries de monde qui proche pouvoir, des séries de monde qui t'a supporté pouvoir, des séries de monde qui ont un statut dans le gouvernement, etc. Ça, c'est montrer que nous voulons batailler contre l'impunité. Gagné ancien magistrat Osmila petit frère. À un certain moment, t'as gagné information qui t'a circulé sous relation intime, relation sentimentale, bah, et ménage que t'as gagné avec ancien DG, ministère de l'Intérieur, là, Fednel, mon chéri. À toi ou à raison, est-ce que t'es femme à moucher, garçon à femme, est-ce que t'as gagné relation intime? On ne sait pas. Mais, c'est des informations, c'est des rumeurs qui t'a circulé sur yo, qui pas jamais démenti. Bon, bref, ça pas concerné. Joune jodi an la, Rosmi la petit frère, li an dedans votre bef lan, li an dedans pouvoir yel an rien. Fednel mon chéri, qui tout temps a bay conférence de presse, etc. Boko jam tande kote directement li attaque pouvoir yel an rien. Tout conférence de presse, tout point de presse, c'est Pierre Espérance gye gang, Pierre Espérance a financé gang, gang 4x4, etc. Bagay. Mais joune jodi an, nèg yo monsieur dam yo oublié si gagne en justice qui là monsieur dam yo oublié si en dedans appareil justice c'est pas tout le monde qui obligé corrompu c'est pas tout le monde qui obligé voler c'est pas tout le monde qui obligé à prendre l'argent pour casser faire couvrir ça etc. Eh bien dans dossier massacre la Saline eh bien ordonnance grande etc. dans dossier ça côté que gagne divers monde et malgré que il y a des séries de monde chaque jour qui a marché en dedans la République, la police, la justice, pas jamais rivé, mettez maintenant pas de cassavio. Mais moun sa yo, c'est des séries de monde que nous avons cité chaque jour, qui participaient, qui peut programmer, qui montaient complot pour te massacrer moun dans la Saline. Eh bien, gagné Fednel mon chéri que nous avons cité dans le dossier ça. Pendant un bon bout de temps, moi, je ne comprends pas comment comment fait Fednel mon chéri. Il est toujours à la conférence de presse, il est toujours dans le micro la presse, la palais, alors que il a mandat de elle, de CPJ, la police a cherché lui. Ça était toujours un petit genre flou dans la tête. Ça était toujours indiable, moi. En dépit de tout ça, il a été véhiculé comme information, comme allégation, etc. Eh bien, Fednel mon chéri, il a mandat d'amener derrière lui dans le dossier massacre la Saline. Fednel mon chéri, obligé marron, il obligé la gueule. Saline n'a pas venu dans même sac, il pas qu'à chaque jour bailler conférence de presse encore. Eh bien, yon l'autre bon là, pendant Fednel mon chéri, lui même dans le dossier massacre la Saline, eh bien, yon l'autre bon, gagne Rosmi la petit frère qui dans le dossier CAS Edwin Tonton, directrice ça, madame ça était maintenant tête CAS. Malgré autant de madame dans l'en bas quand j'ai arrêté parce que le détourner l'argent l'état. Jusqu'à présent, pourquoi j'aime bon l'autre directrice dans tête CAS? Ou pas qu'on est véritablement qui ça a fait? Ou pas qu'on est si madame dans la prison? Ou pas qu'on est côté lié véritablement? Parce que en Haïti, tout vous m'se donné que vous faites bagaille aux gens, vous voulez j'aille au plutôt parce que des poules dans l'État ou gen moun dans l'État ou pas qu'on a fait sort. Eh bien, dans quatre dossiers, ça, gen un juge d'instruction Jean-Will Lamorin qui t'a invité Rosemi la petit frère pour vous t'étendre la titre de témoin. Et bien, cabinet d'avocat, M. Delcy, yon choisi, yon voye, yon note by, juge d'instruction pour yon dire que, pour des raisons de santé, pour cause de santé, etc., et madame nan, li pap ka vini, li pap ka déplacé, mais l'ka voye, yon juge de paix, al verbalise, vous comprenez, al prend
ça madame n'a gagné comme témoignage la bail puisque son témoin lié dans quatre dossiers CIS dans quatre dossiers Erwin Dotton. Qui ça la justice qu'a fait dans situation ça? Ces gens nous ouais avocat mandé là oui dans procédure là c'est possible si moun n'a pas qu'à déplacer ou d'où que médecin te bali yon temps de congé li ou reprendre li non période d'invalidité. La juge d'instruction pas qu'à faire l'obligation pour lui ni. Qu'on y a posé cette question effectivement. Est-ce que madame non li invalide? Est-ce qu'elle malade vrai? Est-ce que médecin le bal 6 semaines pour le pas déplacer, pour le rester en seul côté parce qu'elle sentait le fragile, Nous connaît comment monsieur dame yo coquin. Et qui ça nous apprend dans les couloirs du cabinet d'instruction? Gagner pression qu'a fait pour regarder non seulement dans quatre dossiers Jean-Wilner Morin dans quatre dossiers CAS qui concernait et Rosemie la petit frère là dans quatre dossiers qui concernait et allié Rosemie la petit frère là n'a parlé de ancien DG ministère intérieur là n'a parlé de Fidel mon chéri et bien il y a pression qu'a fait pour regarder si juge d'instruction qui sous dossier li pa ka tempérer li pa ka poser et bien comment yo ka fait pour yo ta changer doyen tribunal première instance parce que dans moment n'a parlé là doyen tribunal première instance qui là et Chavan Etienne et c'est même Chavan Etienne ça à un certain moment yo te désigné pour prendre dossier assassinat président Jovenel Moïse. En plus monde t'a bat bravo parce que ou son bon juge d'instruction, li intègre ou pas j'entendre nous l'avocat ça etc. Et bien actuellement là, c'est lui même qui doit un tribunal première instance. CSPJ tout récemment là, qui ça CSPJ saute fait et CSPJ qui te mette Chavan Etienne le mandat Bernard Saint-Ville l'ont fini et décembre 2022 parce que Bernard Saint-Ville en tant que doyen était là pour 7 ans, il était prend fonction 2015, mandat fini 2022. Eh bien, CSPJ mette Chavan pour un petit temps. Entre-temps, c'est comme ça qu'il a choisi, c'est comme ça qu'il a dit. Le mette Chavan Etienne comme doyen tribunal première instance. Dans moment là, gagnant pile plaidoyer gagnant pile parler en pile qu'a fait pour yo ka changer Chavan Etienne pour yo ta mettre pour yo ta retourner avec Bernard Saint-Ville. Bernard Saint-Ville ça en pile dossier corruption en pile dossier prend l'argent en pile mauvais parole a dit sous non li imaginons et lui même yo ta retourner avec lui comme qui ça comme doyen en dedans tribunal première instance comme c'est lui même qui administrateur en dedans tribunal là lui gagne pouvoir pour faire n'importe ça lui. Oh, jugeant que juge d'instruction lit son dossier, ok, la pression un dossier, mais ça qu'arrive, il y a des pressions qui baillent, il y a des menaces qui baillent, etc. C'est rete nous qu'attendez, nous rete dossier avant dans mes juge d'instruction encore, oui. Jugeant lit remettre dossier, le déporter le dossier, etc. Parce que nèg de puissance, lorsque droit y a un tribunal, ou puissant influent, et automatiquement, t'as une tente de accepter pour Bernard Saint-Ville retourner en dedans, et en dedans de ce tribunal là comme doyen. Matière voye sou nan parce que justice doit e fòk a fèt la nan apparaît justice ba la chavire nan men nou et se nou pral paye podcast ya. Et sans perdre du temps on nous rentre dans dossier André Apèd la parce que m'te annonce nan commencement vidéo a. Et bien nous pral regarder avec moi et vidéo ça que jeune garçon ça li décide répondre André Apèd, li décide bay palmarès André Apèd par rapport avec activité criminelle que nèg yo fait en dedans l'état par rapport avec activité bandit que nèg yo a réglé en dedans pays an. André Apèd qui dit il pas participer dans déstabiliser pays an. Et puis ça qui est grave là c'est que moun nan fait vidéo a son moun qui conserve avec parce que li pa peur li paraît visage et non seulement ça tout non seulement li paraît visage mais il y a des séries de bagay que monsieur te kon mande le fait pour yo li paraît tout bagay ça yo donc c'est occasion pour même pour mettre pour tout profiter au fort à l'idée de qui est ce nèg sa yo véritablement parce que yo passé non yo passé et yo complice pour beaucoup dans ça qui a passé en dedans pays en nous garde peuple haïtien Haïtien tout côté. Bon, moi obligé de faire intervention ça encore. Parce que moi, André Apèd sorti une note de presse. Et que moun sa yo prend tout moun pour sous pour rester avec yo. Au moment,
Parce que sou gen grain nan boudor, sou gen nen la figure, sou orgueil assez pour sortir on note de presse comme ça. Au moment côté ou apesi nettoyer non pour faire amour parce que nous on pas ka nettoyer encore. Au moment parce que m'bra l'expliquer nous ça cadré à pèd là. En partant, premier bail m'tan me poser premier question, nous t'aimé poser à pèd là. Pour qui ça? Côté au bar avec. Pour qui soit retirer sa liba, non ou changer nom pour APED ou inventer APED avant de retourner en Haïti. Nous t'a même qu'on qui crime qui problème ou t'es fait avec non sa liba qui faut obligé changer là. De un en partant. De deux. Est-ce que en 1985, c'est pas où qui frappe Pio Wate, la mi-temps le groupe Club Bellevue. Au moment qui vient le groupe de Boudon, au moment il vient moins qu'on y a, mais dans le temps, qui te frappe pour la tête, te dit comme ça, bon, c'est assez fort, monsieur, aller. Qui fait, Prosper Avilga, les âmes, tout Jean-Claude, et puis l'aller. Parce que yo t'a travaillé pour où? Au moment, c'est où qui influenceur? Influenceur, ça, bon, influenceur, là, c'est où? Ou reprendre ça, pas du coup, qu'on y a dans le vide, toujours. Deux. Oui, deux. Est-ce que après ça, que Jean-Claude finale, est-ce que nous pas chita, nous séparer tout bien l'état yo entre nous-mêmes encore? Quand qu'on Ulri National, nous bay Bidjo, Minotri, ou qu'on tout bay d'Haïti yo, qu'on Asco, Asian American Sugar Company, est-ce que tout bay, terminal va, nous pas séparer entre nous bay tête, nous tout bagay. Ou qu'on m'en Bossan prend pas, Meuse prend pas, tout moun prend pas yo. Accra prend pas, tout moun prend pas yo. Des biens qui appartiennent à l'État d'Haïti. C'est-à-dire, eh bien, ça, pour faire un pays à fonctionner, un pays qui a un bus, un pays qui a une lumière, un pays qui a une route, nous séparer entre nous, bande de vagabonds, associations de malfaiteurs. Qu'on y a là, m'da remé qu'on est. Si, accusation, association de malfaiteurs, ça, y'a la gué sous dole. S'il pas vrai, comment faire, c'est ou même seulement qui cap virer dans Santo, et Santo habité, c'est-à-dire, à droite, où c'est Gabriel, en face, où c'est Vite l'homme, à gauche, où c'est l'homme, sans jour, l'autre, le travail, ou passe canard. Et, où c'est seul monde en Haïti, même malheureux, pas qu'à vivre sans tout, où c'est seul monde qui vive chonflé, vire retourner dans le pays d'Haïti. Parce que, gang armé, c'est sécurité rapprochée, yo, yé. Point final, dans samedi, ya. De deux, de trois, de quatre. Qu'on y a là, m'balle pose une question. Qu'on y a, l'imta, m'en répondre, moi. Si ça m'a dit, c'est pas vrai. Que déstabilisation dans le pays d'Haïti, c'est où, papa, yo? Comment fait Stanley en dalle en 2003, t'es venu chercher m'la caille, moi, Pèlerin 11. Menem nan usine, nous, en sous-route, aéroport, bâtiment. Côté Tiapet Junior, t'es sorti avec un sac clou trois têtes. Clou trois têtes. Tout j'en voyais, yo, clou, tout j'en lagé clou, à tel en l'arrière, yo, gon tête en l'air. Et yo offrim $70,000 US pour me laguer clou ça devant cortège Aristide qui va passer sur route pour tel là. Essayez comprendre ça m'a dit nous bien. Haïtien tout côté. Partner ça nous ouais que le Canada accusé. C'est ça lié même. Papa terroriste, papa déstabilisateur, papa volé. C'est moun sa yo qui cancer qui empêche Haïti fonctionner. Samedi a m'di le net et puis m'signe d'elle. Malpropreté. Créole parle, créole comprend. Oui, bon question toujours posé. Je le fais de nèg dans l'État. Bon, pas dans l'État, dans le secteur privé, disons. Et nèg sa yo, yo genye contreprise yo, yo genye co-business yo. Dans zone gang, dans zone bandit yo même. Business yo a fonctionné chaque jour. Activité business yo a fonctionné chaque jour. Chaque jour, moun yo a brassé l'argent dans business yo. Malheur, zon li même. Pour le vin dans business yo, c'est risque qui prend. La veille ou la veille en bas, si yo pap kidnappel, si yo pap touyel. Pour l'aller, c'est risque qui prend. La veille ou la veille en bas, si yo pap kidnappel. Mais grand patron sa yo, petit yo, madame yo, de série de gros responsables dans l'entreprise yo, yo à l'aise qu'on blaise. Yo à l'aise qu'on blaise. Faut qu'on intelligent pour poser des questions. Ça fait bandit yo pas jamais attaqué entreprise yo et business yo, etc. Qui ça passe? Si c'est pas proximité, si c'est pas relation, si c'est pas amitié, si c'est pas POP, bandia, qui s'allie? Bandia actionne dans l'entreprise ou?
Bandi an se entre, li investi l'ajan nan entreprise ou ki sa bagay lan veritableman? Fonek sa yo ka komanse di nou. E poutan de yo pa paye gang, yo pa paye bandi, yo pa e nan destabilize peyi, nan krasé peyi. En tout ka, ti video sa li di nou an pil, li di nou an lon yon loj. E kek bagay peut-et ou pat kone de nek za yo, men veritableman, mwen si mta pre pou m... Di de seri de bagay m konnen sou de seri de nèg nan sektor privé an Ayiti e ma fin balè jodi de menm pa pla parce que e menm kote mi avèk nèg za, nèg za yo pwisan, yon ont les bras longs, on comprend, pou yon tyo men longè, yo ka paye tout tè, yo ka paye informatè, yo ka paye, yo gen tout kategori moun, tout kalite moun dè yo, donc se yo menm ki pou pwidan. Se pa chèkre m ap fè pou nèg yo, se pa proteje m ap proteje nèg yo, men fòk m proteje tèt mwen avan tout chòz. E maintenant nous pralé passer dans dossier Jude Joseph ancien premier ministre qui lui-même li vide votre li li expliquer un ensemble de bagaille qui rivé sous président Jovenel Moïse et on pral saisi pour tande gagner policier qui t'a ba Jovenel sécurité que nèg sa yo c'est pas première fois y a livré y a liquidé président partager vidéo partager émission en nous garder et tande PM Jude Joseph. On va le découvrir au sein de ministre de l'Environnement. Oui. Je vais recevoir là dans le point. Et puis, je te dis, mais monsieur, ça a été carré des pays plus loin, il a été carré plus loin avec les pays. Hein. C'est ainsi que quelques mois plus tard, on va le désigner, on va le choisir comme premier ministre. Pour qui ça n'a pas jamais parlé depuis le président mouri, assassiné? Pour qui ça? Bon. C'était un choix? Au fait, c'est un choix. J'ai occupé plusieurs fonctions parce que moi ministre trois fois, là, du moins dans trois ministères et sous-président et puis moi vin premier ministre. Pas besoin de parler alors que mon président en fonction. Je m'étais entendu avec le président de la République pour nous voir le 8 février 2022 après le fin de remettre pouvoir là. Et puis pour nous parler continuer amitié nous et puis faire politique ensemble. C'est ce qui s'était prévu, ça c'est une partie. L'autre partie, c'est que moi, pas tout le temps devant la presse, parce que je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je n'ai pas cherché un journaliste pour me parler, et parce que je suis quelqu'un qui parle avec mon cœur. Et il y a des questions posées, je ne vais pas passer par quatre chemins pour me répondre, parce que si posons une question, c'est que ou, c'est parce qu'on a une réponse là déjà. Et un journaliste, pas n'importe qui. Moi, considérer nous tant que n'importe juge. Même si ce n'est pas toujours le cas. Bon, écoutez. Nous n'avons pas toujours une réponse. Yo. Bon, mais un journaliste, c'est un monde très avisé qui mène une enquête li avant de poser une question. Ça, je le sais. Je parle de journaliste. Okay? Mm-hmm. Je ne vais pas parler de tout le monde. Je parle de journaliste. Alors c'est pour ça, c'est pour deux raisons ça qui fait moi ne pas parler. Parce que le monde n'est pas facile pour me parler. Mais au parler justement après, on juge fin tendeo. D'abord, comment a été l'expérience? Parce que normalement, tout citoyen gagne droit à le devant un juge. Pour diverses raisons. Juge Carillo, constate ou même au cas décide de porter plainte, donc au cas il va aller. Mais, dans le cas d'assassinat de yon président, côté qu'on collaborait avec lui, près de 2 ans après le fin assassiné, bon, c'est vrai que vous avez constitué au parti civil, vous avez dit que vous avez porté plainte tout, par le fait que y a des gens qui ont décidé, qui arrivent à tuer un président. Comment a été l'expérience? Je sais que vous n'allez pas tout avouer ici, mais au moins, qui ça au monde comprendre de l'expérience qu'on vive pendant des heures avec un juge que peut-être vous n'avez pas déjà rencontré avant? Bon, c'était pénible pour plusieurs raisons. Première raison, je me songe, premier jour que je rencontre ici, là, où je demande qui est mon moyen, je suis paysan. Paysan par aimer la justice. Et j'ai réparé pour contre vous. Ben oui! C'est sûr, il y a un juge par eux, un avocat par eux. Moi, je suis paysan. Mais si on a la justice, nous connaissons ça. Depuis que nous avons la justice, nous avons fini.
nous pas parlant quoi. Oui. OK. Ça c'est une raison. Deuxième raison, c'est que on pas gagné pour avec le président Jovenel Moïse. On pas aux affaires, mais pas chef encore, pas premier ministre, pas ministre. Et bon, c'est vrai, président, c'était un militaire parce que nous t'ai parlé toute bagaille avec elle, toute bagaille. On t'ai parlé. Et mais après me démissionner, c'est lui qui t'ai qu'on relève, mais pas qu'on relève, sauf pour son anniversaire. Et il pose une question, des fois il relève tout et puis une baille de blague et puis il dit mon cher mal étendez papa. Et ou même pour nous tout le temps pour dormir, moi même c'est kounya m'va le font dormir. Il dit mon cher bien content aller parce que c'est dormir m'd'a dormir réveiller là kounya m'pa travailler comme 4 jours t'es dérangé m'd'a dormir. C'était comme ça. Et l'autre raison c'est que le juge l'a convoqué. Un, je n'ai pas gagné pour avec ça. Deux, je suis vraiment étonné de me recevoir la convocation du juge là. Forme de je pas là. Je suis obligé de courir venir pour venir jeune juge là parce que c'est mon qui respecte la justice, qui est chef. Et puis, c'est le jour anniversaire président que je goumé pour oublier. Parce que Jovenel Moïse, ce n'est pas facile pour oublier Jovenel. Malheureusement, à minuit, le téléphone m'a rappelé que c'est fait président. Et l'homme réveillé dans le dormi, le temps pour me prendre ensemble, pour me comprendre que je venais pas encore, pas besoin de relève. Et je n'ai pas dormi encore de minuit à matin, je vais le côté magistrat. Je ne vais pas raconter ce qui est question magistrat te posé, parce que je n'ai pas de droit à ça. Oui, mon mais ou même qui s'est cherché. Bon, écoutez, magistrat, li, probablement, il a rencontré plusieurs personnes qui ont une connexion avec moi, qui ont travaillé avec moi, qui connaissent la méthode de travail. Men. Et magistrat compte toute vie. Je ne sais ça. Parce que je ne pas. Oui, mais excusez-moi, monsieur Jout, pas dit que en pile de monde qui a une connexion avec vous, vous avez jugé des informations qui, dans le cadre d'enquête, vous avez utile pour rejoindre qui est-ce qui tue le président. Non, et pas forcément ça. Mais, magistrat, contre méthode de travail, moi, il connaît. Par exemple, mon cadou, il y a des réunions faites. C'est moi-même avec certains gens qui connaissent, qui ont discuté dans la réunion, parce que je suis une fuite dans ce gouvernement. Mais le magistrat, il connaît, il a des informations. Donc, j'ai l'impression qu'il relève à titre d'informateur pour me confirmer et infirmer certaines informations. Oui, mais on dit le pénible. Moment TP, expérience en TP. Il est pénible pour la simple et bonne raison, pas oublier, je dis déjà que. C'était jour anniversaire de naissance président et magistrat il fait me revivre tout moment en pile moment que moi passé avec président en pile moment et me venir vivre là c'est comme si Ndado moi ouais Jovenel Moïse campé devant moi. C'était difficile. Est-ce que vous arrivez à la conclusion que juge l'a obtenu ça a besoin de Rouen. Bon, on juge d'instruction. Pas avant que le grand ordonnance, hein, l'IPAP satisfait, ça veut dire, moi sûr que l'IPAP continue de travailler parce que et c'est quelqu'un d'assez rectiligne sur ça l'IPAP fait parce que, écoutez, j'ai aussi mes expériences avec des mouns qui comptent ça à régler. Et sûr, s'il a besoin d'autres informations, l'IPAP m'a dit, vient encore. Et il dit tout, c'est premier, mais ce n'est pas la dernière fois après l'heure. Il dit ça déjà. Donc, il rappelle que vous devez toujours rester à la disposition de la justice. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais quand par exemple, nous connaissons que y a des opposants au président que je l'ai invité,
et ou même ou pas ton opposant à président. Comment comprendre tout cela? Les points des opposants, les points des ennemis, des gens qui ont publiquement déclaré faut que monsieur font fin à elle, alors que ou même ou t'es un collaborateur. Récemment, c'était Guichard Doré qui était. Cette démarche, comment vous la comprenez? Bon, je la comprends mal, ok, pour me faire savoir, pour parler de moi. Et je ne connais pas ça, ça m'a pour moi dans un bagage comme ça. Mais ça, vous voulez me faire. Le magistrat, il recevait un mandat que le commissaire du gouvernement Bali ou bien doyen tribunal Bali. Et il a fait le travail que la loi m'a dit le faire. Et moi-même, moi, là, comme collaborateur, comme bon citoyen, et comme non seulement ami, frère, fanatique Jovenel Moïse, tout, besoin de justice, tout. Mm-hmm. OK? Et émotionnellement, moi, souffri de l'assassinat, ça. Mm-hmm. Besoin que magistrat, même gens avec magistrat qui aux États-Unis, il y a travail. Moi, souhaiter que le magistrat rende ordonnance le plus vite possible parce que ce n'est pas l'ordre m'a passé lui parce que, bon, on juge d'instruction, grand pile pouvoir. Et, mais, moi-même, comme parti civil non déclaré, parce que ça qui arrive demain matin, moi, constitué en parti civil, mal demandé justice tout pour le président Jovenel. Parce que moi, j'ai un droit ça. Non seulement comme collaborateur, mais comme simple citoyen tout. Mm-hmm. Moi, j'ai un droit. Et moi, je souhaitais que les libérer dossier ça, les travaillent, mettez les bouchées doubles pour au moins nous gagner la vérité sur ce qui passe. Entre le souhait que vous avez et votre conviction personnelle, vous pensez que juge là, à partir de audition ou non, à partir de Jean Wellmenen, est-ce que vous sentez que son enquête n'a pas abouti? Pas oublier son crime transnational. C'est vraiment compliqué. Magistrat, à mon humble avis, il est de bonne foi. Et il est. Si connaissance, si expérience mienne, il est compétent pour le job qu'il fait. Et il est sérieux. Et, c'est bonne chance, mais qu'à dire, parce que c'est comme Valérie Numaré m'a dit. Même quand on dit son spaghetti, mais Valérie Numaré m'a dit, c'est son paille de fer. Et qui mélangeait, mais je souhaitais que l'arrivée sorti épinglé de ce jeu. Monsieur Jout, si vous êtes là comme Premier ministre, c'est sous cadavre que vous avez passé. Avant, vous tuez Jovenel, vous avez tué avant. Qu'est-ce que vous avez dit par là? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont attendu déjà? Il y a des gens qui gagnent responsabilité dans la sécurité du président et qui ont estimé qu'ils étaient faillis à leur mission. Et c'est ça qui a la cause que le président, c'est ça qui a facilité l'assassinat du président. Est-ce que c'est ça que vous avez dit? Bon, quittez moi moi-même, je ne suis pas un qui compte attiser le feu. Ce n'est pas dans mon tempérament, ma formation. Et puis, je n'ai pas besoin de ça. Tout. Mais quand je parle pour moi-même. Je n'ai pas besoin ni d'indexer les gens, ni d'accuser personne. Mais il y a des choses que je connais. Et il y a des gens qui ont la gestion d'un pays dans le monde, c'est pour débrouiller. Ce n'est pas une question de job et privilège. Il y a aussi des responsabilités. Ça vient avec des responsabilités. Donc, moi, je ne parle pas pour moi. Mm-hmm. Je ne parle pas pour personne. Je ne parle pas pour personne responsable. Parce que il y a un juge, il y a un magistrat, il y a un commissaire du gouvernement, les autorités constituées sont là. C'est eux-mêmes qui ont décidé, mais moi-même, pas pour tout aucun jugement de valeur. Mais je parle pour moi. Il y a des gens qui ont dit que, est-ce que le président n'a pas, dans son instabilité, en quelque sorte, contribué ou bien facilité son assassinat? Parce qu'à ce moment-là, il y avait un flou. C'est comme s'il a dit, même si, bon, à l'époque, c'était Claude Joseph qui était Premier ministre, mais démissionnaire. Mm-hmm. Il y avait un Premier ministre désigné, mais qui n'a pas encore gagné les rênes. Maintenant, est-ce que ce flou-là, qui était gagné dans un moment, est-ce que il n'y a pas de facilité action? Et flou, ça, c'est le président qui l'a créé. Je me dis flou, je parle de vide qui gagne entre Ariel Henry
et Claude Joseph, qui est-ce qui est Premier ministre, qui est-ce qui est pas Premier ministre, même si le démissionnaire liquidait les affaires courantes. Écoutez, le président a, pas qu'à dire le droit, non, mais il est capable d'instable. Bien sûr, il est capable d'instable. Parce que dans tout pays, Jean Ouais, Montesquieu dit, le pouvoir arrête le pouvoir. Là, la sécurité arrête la sécurité. C'est comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a divers paliers, il y a diverses structures de sécurité. Si le président est instable, eh bien, il faut que bon monde qui gère ça. Par exemple, nous avons deux petites anecdotes. Il y en a là-dedans, c'est que j'étais sur le terrain avec le président de la République. T'es gon faille dans sécurité. Et puis, agent sécurité que t'avais mieux, t'es copain. Mm-hmm. Et on était là avec notre frère Ardoun Zéphirin, que m'a profité saluer. Et puis Ardoun courir vin côté, me dit PM, mes sécurité a boumé là, yo pas gen droit ça, nous tout a travaillé pour même monde. Et puis me garder le mri, me dit quitter moins sécurité, président. Pardon, j'ai fait un bon petit monde, ils sont anciens ministres de l'Intérieur. Et puis, ils sont rentrés dans le coquille, et puis on a sécurisé le président. Ça, c'est une anecdote. Et un deuxième, le président était sur le terrain, dans le nord-est, et puis, service moi, dit que qu'on faille dans la sécurité, président. Eh bien, moi, actionné. M'action non manche. Et puis, sécurité, moun qui était dans la sécurité, rapproché président, yo arrêté tout groupe nèg que m'te voyé. Mais m'a créé, m'a créé un scandale, et puis, information que m'te gagne, moi juste déjoué quoi, si tape bon couvré. Parce que, en matière de sécurité, moi je vérifie même les rumeurs. Je suis capable quand on monde fou dans la rue, a dit un bagage, il me dit, ah, je ne vais pas jouer à ça. Je vais traverser, sortir dans la cour cassation pour aller parler avec le président à pied. Et puis, il y a un monsieur qui campait tout près de GIA dans Kafoua. Et puis, il a joué le président. Monsieur dit tout ça qu'on donne. Après, je finis de déposer le président dans le palais, je tourne à pied, mal côté, monsieur. Eh bien, ce monsieur-là était un informateur important pour moi pendant tout le temps que j'ai été fait comme Premier ministre. Alors, c'est des faits divers, ou qu'il n'y a pas beaucoup d'importance. Non, mais la réalité, ou bien l'évidence, c'est qu'il y avait de sérieuses failles, et sinon, le président n'a pas mourir. Bien sûr, bien sûr. Mais lorsque, ou même, on dit, il faut que tu as tué avant, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, M. Théodore? Écoutez. Et j'ai eu une chance que mon ami, mon ex-ministre, Claude Joseph, pas de gain. J'étais ministre de l'Environnement. J'étais tissé des relations très étroites avec presque tous les dirigeants de la région, dont nos frères et sœurs et dominicains. Capable de faire ici sous frontière là, je ne dois pas comprendre qui est cap sorti à partir de données à Bamoué sous frontière là ici. Parce que bon, vous comprenez comment ça y est, structure de sécurité à ici. Mais de vous entrer en République Dominicaine, je connais que vous êtes rentré en République Dominicaine. Et je connais ça demain matin. Parce que les autorités dominicaines, c'est des gens qui gèrent la sécurité dans le pays, à tous les niveaux. Hein? Mm-hmm. À tous les niveaux. C'est-à-dire, les gens qui rentrent tout. Les autorités haïtiennes, l'immigration, la police, ils ne peuvent pas dire qui est-ce qui est entré. Mais les autorités dominicaines connaissent les gens qui quittent le territoire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est-à-dire, ils ont gagné certaines informations. Ensuite, j'avais un ministre de l'Intérieur, et tant que Bredjenio t'a dit, parce que moi, j'aime Bredjenio, je me salue. J'ai un ministre intérieur qui est à terre. Bredjenio m'a dit ça.
moi à terre. So, chaque matin, ministre de l'Intérieur, moi, il y a pour relim à 6 heures du matin. Pile. Il bat même un bon signal là, Kaeli, c'est son côté le déplacer pour le camper pour le relim. Pour le bon information. Et il y a des nationalités, leur rentrer dans le pays a, par avion, par mer ou par terre. Moi, j'ai gagné 4 nationalités que je n'ai pas citées là. Et ma veille depuis que je descends entre en Haïti jusqu'à ce que j'aille. Ça qui parle arabe. Bon, j'ai des gens qui parlent arabe qui pour suivre, pour parler avec eux, et puis pour me connaître, ça, je suis venu régler en Haïti. C'est-à-dire, si bon bagage je ne comprends pas, par exemple, dans l'environnement qui est le président sur route là, eh bien, je n'ai pas besoin de parler avec l'USGPN pour moins sécuriser la route qui est le président ou même la CAELI. C'est une histoire comme ça. C'est-à-dire, le président, lui qui a choisi dans ses côtés le lui qui a choisi à l'ombar, mais si je connais à l'ombar, automatiquement, je me transporte dans la zone bar là. Parce que lui a un droit sous, président. Lui a un droit sous. Oui, mais en fait, c'est vrai que vous êtes président CSPN. Ou le contrôle sécurité pays en amont, mais président ou le chef sécurité parle tout lui-même. Oui, mais écoutez, monsieur Théodore, ça c'est son affaire. C'est-à-dire, cette histoire de chef sécurité président, ça c'est lui. Moi-même, j'avais la responsabilité parce que, en tant que premier ministre, j'étais co-dépositaire de la souveraineté nationale avec le président de la République. Donc, si même Jean m'obligeait à débrouiller pour mettre Jean-Jacques pour la sécurité dans le pays. Mais le chef de la nation, que je connais qui visait, hein, parce que le président est un pile ennemi, et des gens qui n'ont pas d'adversaire politique, non, ennemi politique, qui avouent que c'est ennemi président. Donc, moi-même, je suis obligé de veiller chaque monde, veiller, bon, pas à l'entrée dans la vie privée, mais écoutez, si machine passe dans la zone, il faut qu'on ait des machines dans passer dans la zone. Mais bon, vous n'avez pas aucun soupçon. En fait, après 7 février 2021, vous n'avez pas l'autre information que vous avez joué nous, l'autre soupçon que le plan est en marche et que vous êtes sur route pour arriver sur le président. Vous n'avez pas gagné dans ce sens-là. Bon, vous avez certaines informations et vous avez des indices. Tout. Malheureusement, je ne suis pas capable de remonter à moun qui t'a fait lio, mais tu prends décision qui pi facile lio, par exemple déplacer président de une zone à l'autre et si m'estime que président pas en sécurité côté lien et chance moi t'ai gagné avec lui c'est que bon l'homme t'ai ballon information et puis il a répété ça et puis me dit après je dis pas bon information encore. Je vais juste prendre décision monsieur le président de la République. Mais maintenant l'or pas premier ministre encore. Donc, on suspend à veiller sous président. Ah, bien sûr. Mais maintenant, est-ce qu'on continue à recevoir des informations que pour une raison ou l'autre, ou pas partager avec le président? Non, mon téléphone avant, c'était le 3740-8196. Moi, démissionné, moi, changé de téléphone. Moi, changé de téléphone, non, et puis, moi, juste, bien en mime, moun, que j'ai besoin. Et moi, j'ai eu contact avec eux, mais après ça, je n'ai pas de information encore. Ça n'a vraiment pas intéressé parce que je n'ai pas de besoin. C'était trop pour moi déjà. Deux ans après, assassinat président, je dépose une question ça déjà dans le commencement. Est-ce qu'on sentit que l'enquête a marché? Oui, même pas satisfait. Est-ce qu'on dit juge là ça? Est-ce que? Est-ce qu'on dit juge là que ou pas satisfait de gens enquête là pas avancé? Mbabdou samedi juge là. Moi pas répondre question ça. Mbabdou samedi juge là parce que l'instruction est secrète, moi pas rien droit et dit rien qui ca compromettre enquête là. Et mais si juge là tande matin là, moi tout dit en public, moi pas satisfait de j'enquête là marché. Bien que moi l'a fait effort mais et mettez les bouchées doubles. Et continuer le travail et pour le rendre en ordonnance au plus vite possible parce que moi-même, pour moi-même,
enquête là, il fait trop de temps dans route. L'obstacle, c'est qui ça, d'abord même? L'obstacle à l'avancement de l'enquête? Ben, écoutez, impression personnelle ou? C'est presque trois nations qui mêlent, bon, pas dit quatre, qui mêlent dans l'assassinat président. Bon, c'est public, tout le monde connaît. Mais c'est, l'idée vient d'Haïti. L'idée d'assassiner le président, probablement, vient d'Haïti. Mais ou pas même qu'à comme ça, non? Parce que en politique, tout comme en affaire, ou qu'à un concurrent là, et puis c'est en Chine, ça veut dire, ou qu'à penser que c'est ici l'idée sortie. Et puis l'idée a sorti dans les îles turques. L'idée a sorti tout en Asie, l'idée a sorti n'importe l'autre côté. Moi, mais exemple, les îles turques là. L'île turque là. Parce que nous aimons, ou pas qu'on aime, ça a dans le langage nous. Nous disons, je suis dans les îles là, tellement je suis loin. Et ce n'est pas les îles turques que je voulais dire, mais c'est un coup que tu as dit. Et... Nous sommes loin. Nous sommes loin. Yeah. Ok. Nous sommes loin pour venir près. Exact. Ok. Ah, mais bien, on s'y pose. L'homme tourne, on va essayer ouais, avec vous. Jean-Pierre Yaye, je dis là, qui soit pensé de faire ce qu'on pas fait, qui permet de nous arriver côté nous hier là. Deux ans après, vraiment, vraiment, ce n'est pas même Haïti. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez fait pendant le premier ministre, qu'on pas fait, et c'est ça qui a contribué à l'assassinat du président? Et c'est ça qui contribue en même temps à la dégradation totale de la sécurité en Haïti. Et, qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai un seul rumeur. C'est que je n'ai pas accepté de continuer à être bon côté président. Ça seulement. Parce que le président ne m'a jamais demandé de démissionner. Seulement nos réunions normales avec le président pour nous discuter sur certains points que nous estimions qui étaient indispensables pour nous continuer le travail comme premier ministre. Et je salue encore Ardoin Zéphirin parce que nous invité dans la réunion. Mais malheureusement, dans la réunion, moi, le président, nous pas entendre nous son série de points. Et puis je me suis levé et puis il me dit, Monsieur le Président, ma démission fera la nouvelle demain matin. Et il m'a dit, la nuit apporte conseil. Il dit, Monsieur le Président, il est 1h du matin. On a discuté là depuis 8h. Il n'est pas nuit encore. Le conseil de la nuit, je l'ai déjà. C'est de démissionner. Mais nouvelle qui t'a circulé, oh. Que ni ou même ni président n'ont pas de connaît que des missions n'ont pas effectives et que c'est quelque part du palais qui a eu un arrêté annonçant votre démission, ben comme ça. C'est pas non, vrai? Non, non. Je ne vais pas accuser mon palais, je ne vais pas tout pouvoir ça. Ok. Maintenant, comment ont été les relations entre les gens du palais justement et vous? Ben écoutez, le président m'a répété à peu près, je ne sais pas, une cinquantaine ou bien une centaine de fois, je ne me rappelle pas trop bien, que le Palais National, c'est la maison de Lucifer. C'est fort, oui. Et me songeais, dernière fois, il dit ça, et moi, avec nous, j'ai fait une discussion assez orageuse, et puis, bon, après chaque discussion, nous bien, nous entendons nous pour demain. Parce que c'est comme moi avec lui, et c'est lui qui te dit ça, nous sommes un père et une mère de famille. Et puis il dit, pas moi, qui est-ce qui est mère là? Et puis il me dit, de toute façon, c'est pas moi, président. Parce que c'est pas moi que maman, c'est où? Et puis il dit, il est toujours fâché. Mais pour les enfants, il est obligé de continuer à parler. Il est obligé de continuer à vivre ensemble. Il alors, je vais poser une question encore. Comment oui, je vais répondre. Et le gouvernement, le véritable opposition de ce gouvernement, c'est le Palais National. Quel que soit le Premier ministre.
quel que soit le Premier ministre, ou de fait, ou bien des opposants au Palais national. C'est-à-dire, moi-même, et l'opposition politique en Haïti, que ce soit l'opposition radicale ou dure ou bien modérée, et c'était l'opposition qui en face, moi-même avec le président, nous dérivé vivre avec eux. Mais... Ça, c'est l'opposition classique. Exactement, mais le Palais national. Vraie opposition, c'est l'allié. Ah, c'est l'allié. Ou illustrer ça avec question vite teintée, ou demander pour toute machine teintée, le Palais national dit non. Ah, ben oui, mais quand même. Et je ne sais pas si j'ai un journaliste qui te pose une question. Ça, je crois que c'est Robertson Alphonse qui samedi sous sa cap dit, il me dit, mais écoutez, le président est le chef de l'État, moi je suis le chef du gouvernement. C'est fini. Bon, écoutez, je ne suis pas prêt à demander au président, courir avec M. Libéris, je ne suis pas prêt à révoquer le ministre de Justice, moi, qu'elle suive et Libéris dans la déclaration. Ni. C'est le droit de Libéris. Mais qu'on grand bagage, c'est que l'on caille ou son père de famille ou prend des décisions. Si moun ka toujours à bougonner. Décision, hein, l'a pas appliqué. Aussi simple que ça. Mm-hmm. Ouais. Question ZAM qui a entré. Ou de prendre décision, par exemple, fermer un certain port, dont celui de Saint-Marc. Au fait, c'est deux ports seulement que tu as quitté. Au fait, je ne pas fermer. Même tu as interdit que tu rentres avec effet personnel. Parce que je suis installé comme Premier ministre le 4 mars, mais avant mai, je fais 16 saisies. Dame, non pas de Saint-Marc là. Donc, je suis venu prendre décision. Ça, c'est parce que je suis cherché comment des matériels qui pour détecter armes à feu, munitions. Et puis, je me demande un pour format, je garde mon temps comme là, pas de sous-budget. Et puis, je me dis, bon, je vais le fonds révision budgétaire, qui t'aime qu'un ça, mais qui t'aime prendre décision ça. Parce que quand l'homme est tout responsable à douane, il n'avait pas les moyens pour ça. Et puis, je prends une décision, mais c'était seulement le port de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien qui était droit recevoir conteneur avec effet personnel. Mais port n'a pas de fermé. Toute marchandise doit entrer. Mais effet personnel, parce que les amis sont venus dans le matelas, ils sont venus dans le sac du riz, ils sont venus dans le gros fender, au parleur. Ils ont retiré tout le matériel qu'il y a dedans et ils ont rempli. C'était comme ça, vous êtes entré dans le pays. Donc, vous dites que c'est Saint-Marc, Cap-Haïtien. C'est pas au prince Cap-Haïtien que tu es autorisé. Oui, recevoir effet personnel. Oui, mais risque est toujours là, tout est là, tout pour vous entrer. Bien sûr, mais et pas au prince, là. Tu n'es pas capable de rentrer là dans le conseil parce qu'il y a plus de surveillance dans le prince. Là. Mais Cap-Haïtien, moi, quand même, je prends mesure, mais je suis arrivé à saisir encore deux conteneurs. Malheureusement, premier, ils ont arrêté mon nom, puis le commissaire gouvernement la gueule. Et mon deuxième conteneur qui est entré, Léonie Dussor, c'est ce même monsieur qui est venu avec les papiers pour dédouaner ce conteneur. Et puis monsieur a évaporé dans la nature. Moi, je connais la gueule, en pile l'arrestation qui a fait dans ce sens-là. Comment comprenez-vous? Ben, c'est de bonne guerre. Moi, content. Vous content. Quels sont les gangs? Pour qui ça. C'est sous Premier ministre Joseph Jout que barrage a été levé. Pour qui ça? C'était sous. Écoutez, je ne sais pas qu'on ait sous-gardé déjà le film La raison d'État. Ou qu'on prend une décision et puis on l'autre monde casse la décision. Ou qu'on moun casse la décision, mais pour la raison d'État, on n'a pas qu'à avancer sur lui. En tout cas, et mini-justice l'a quitté derrière le mouvement ça. Non, monsieur, l'homme dit mouvement. Excusez-moi, pour une fois, map tempo, j'étais le chef du CSPN. OK. Et la grande décision que prend le CSPN, c'est moi qui prends la décision, c'est résolution liée après discussion que je finis gagner avec tout palier sécurité que je gagné avant d'arriver dans le CSPN. C'est-à-dire, ce n'était pas la décision du ministre de la Justice. Mais le backup, lui. Non, mais écoutez, que le backup, que le pas backup, moi-même, après discussion, en matière de sécurité, il n'y avait pas de démocratie dans les CSPN que je dirigeais. Mais pour qui ça a été obligé de révoquer alors que son décision qui a un résultat? Écoutez, monsieur Delille révoqué après un scandale dans la grâce présidentielle. Je m'attire l'attention sur ça. Il révoqué.
Après tes congrès présidentiels, tu as gagné des violeurs, des dealers de drogue qui t'ont glissé dans l'ISLA, alors que M. Delisle avec les organisations de droits humains qui pouvaient fixer critères pour la guémoune dans le gaz présidentiel. Et puis c'est gardé, un gros violeur qui était dans la prison Wanamet, il est sorti, et il y avait des dealers de drogue à quoi des bouquets qui étaient libérés. Tu as gagné tout Jérémy, et puis bon, écoutez, M. Delisle à la fin, tu as révoqué deux commissaires du gouvernement, ça y est. Ok, quoi des bouquets et ça. Mais écoutez. Mais s'il sanctionne, est-ce que tu as raison pour le révoquer lui-même? Ah, écoutez, monsieur Théodore, c'est très grave le ou induit, yon premier ministre, son président en erreur, ou fait aussi un ça. Ok? C'est extrêmement grave. Et dans tout pays, il y a des débats qui passent, c'est où démissionner. Et bien, qui passait, c'est où démissionner. Par exemple, l'histoire de Village de Dieu. Bon, je n'étais pas au courant, mais j'ai été voir le président, je lui ai présenté ma démission. Parce que s'il passait, j'assume, comme premier ministre, je ne suis pas au courant. Même pas au courant. Mais j'ai été voir le président, dit monsieur le président, je dois partir parce que son fiasco, et j'assume les responsabilités en tant que fusible. Ben, il n'avait pas accepté, c'est ça que fait là toujours. Monsieur Jout, où dit qu'on parlait avec Iso? Oui. Et au point téléphonique. Mais quand un premier ministre prend plaisir à parler avec un criminel, est-ce que ça n'a pas gagné, pas d'adoué, impacté autour même? Qui ça, par exemple, ou gagné pour dire avec un criminel? M'a retiré mon plaisir. M'a pas pris plaisir à parler avec un criminel. Moi, je parle à Iso deux fois. Ça, c'est yon. Deuxièmement, je ne pas connais ni Iso, ni Tilapli, je ne connais personne. Je suis arrivé premier ministre. Mais moi, je te dis que je suis installé, je quitte le primature à 8 h du soir. Avant de arriver là, quand même, toute gang relève. Relève dans le téléphone. Non. Excusez-moi, premier ministre, je ne comprends pas. Vous ne pas comprendre? Non. Eh bien non, c'est que gang yo, yo gen ramification dans tout pays, yo gen moun tout côté. Donc ça veut dire que ou sorti dans une réunion? Non, je suis installé comme premier ministre. Okay. Premier jour. Oui. Avant arriver la CAO, toute gang presque, yo. Presque. Pour dire qui ça? Non, pour dire premier ministre, nous là oui, nous soutenir. Je dis soutenir dans qui ça? Parce que je ne suis pas contre Mounio. Village de Dieu, j'ai pris toute une journée pour expliquer que Village de Dieu est. Je ne connais pas. Oui, mais on dit. Non, mais attendez. On te dit où on vit dans son petit sourire. Attendez. Et qui te m'explique où ça lié? Pas oublié. Moi, je dis ça, je fais déclaration ça pendant que je suis installé Léon Charles comme nouveau directeur de la police. Et ve, gade sous jou sa ou apoué, m'pa kite Normil Rameau fè discours. Il voulait le faire, mwen di l'écoute, ou pap fè discours là. Pas yon moun ka bin pale là. Ok? M'fin oui. Pale, mais stale, monsieur. M'te baye Léon Charles, l'ode. Parce que j'avais toutes les informations. M'konne ça pour m'te fè. M'bal l'ode. Bal mec ça pour le faire village de Dieu. Donc, écoutez, peuple là c'est ti sourit li danser. On moun ka fâché parce que m'pa di m'bezal nan opéra Pétionville par exemple et m'bezal danser ballet et mes peuple là ti sourit li danser. Donc, moi di ça c'est pour dire Léon Charles pour le clean village de Dieu ban moi parce que n'importe citoyen ta doué ka descendre village de Dieu. Pour aller jouer basket, parce que je me suis joué boule en bas. Dans un temps, l'homme de Timoun. Oui, mais on se dit par contre côté lié, exactement. Non, attendez, c'est Samdou là, oui. Je me suis joué boule en bas. Tout le bicentenaire, je me suis dit marché là. Ok? Je me suis marché là. Donc, c'est imagé. Je parlais pour une population. Village de Dieu, il y a des gens qui vivent là-dedans. Et je suis sûr que tout n'est pas gang. Même si vous battez bravo, vous kidnappez un monde.
Et ils sont contents tant que son goal est fait, tant que son équipe de football est content. Mais c'est parce que l'État n'est pas présent dans le village de Dieu. C'est pas une question de m'a amitié avec Iso. Non, je ne suis pas bien vagabond dans la ville. Non. Mais il parle avec moi deux fois. Et tous les deux appels, ça, ils ont été servis. Ils ont été servis en pile. Parce que les informations, pas de gain, c'est le lit. Ah ouais. Alors, et en plus, le monde qui a suivi nous là, il dit déjà ouais, que la difficile pour paysan retrouver chemin sécurité lorsque ou à peine installé qu'on a pour tout chef gang après l'eau, Abdou que y a avec. Donc, si Abdou y a avec, c'est sûr que y a probablement d'eau des faveurs tout. Bien sûr. Ça dès qu'on arrive que y a d'eau des faveurs et qu'on répond à non, ça. Non. Et est-ce qu'on est l'homme dit ça? Iso, relève mon téléphone tout de suite après les conférences de presse. Alors, monsieur, tu relèves l'État. Monsieur dit, l'État, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler encore, non? Parce que ou pas contre qui j'ai pour diriger, non? Ou pas qu'elle dit que je ne parle pas, non? Je ne vais pas jamais parler encore. Je dis, merci en paix. Je dis, mais songez, je viens pour tuer. Et sans battre qu'on est, bon monde qui t'a enregistré, je ne vais pas parler, monsieur. Ou bien est-ce que ce n'est pas les mêmes qui t'ont enregistré le tout? Non, pas les mêmes. Non, vidéo. La vidéo à la primature. Bah, comprends-t-on encore. Pendant ma palac, monsieur, j'étais à la primature, j'étais à mon bureau. Il y avait plusieurs monde là. Bon, au fait, il y avait mangé servi, vous avez mangé après choses. Et puis, il me dit, monsieur, songez, je viens pour tout. Et puis, monsieur dit, je vais jouer avec toi. Il me dit, ok. Combien de monde consacre dans l'espace ça? Et il y a plusieurs monde là. Il y a plusieurs. Nous, je connais qui est-ce qui était enregistré. Monde ça à côté de lui qu'on est là. Ben, pas qu'on est côté lié parce que c'est pas un ami lié, son monde est rencontré dans le travail, dans la politique. Monde ça dans primature toujours bien. Non, pas quoi. Ou pas quoi. Pas quoi. Ou bien c'est au moins qui sont dans parler qui vient travailler. Et c'est dans parler LD. C'est dans parler LD. Dans parler LD parce que quand le président m'a montré et puis le président dit bah sans filtre ça faut quitter, ou pas qu'à lever qu'on sort. Ou à menacer les gens, dit le président, c'est pas qu'à mourir, je vais tuer ouvrir. Est-ce qu'on pensait finalement que le président est de connivence avec les bandits? Non. Non. Il n'y a pas de connivence avec eux, mais chaque fois qu'il dit que le palais national, c'est la maison de Lucifer, c'est ça qu'on voulait dire tout. En partie, c'était ça. Non. Le président n'a pas de connivence avec eux. Parce que, qu'est-ce que tu dis, M. Théodore? Et l'autre jour, le sénateur Anakassis qui a crié pour le président, qui, bon, dans son langage, il dit qu'on va prendre le nom, on vient là, on vient tuer, on fait ceci. Ça veut dire, le président Jovenel, c'était un vrai paysan. Vrai paysan. Si il y a des gens qui ont des gens retirés, paysans, ils ont des gens améliorés, mais le président était brut. Un paysan n'a pas entré dans la qualité de la bagaille sale. Oh, ok. Mais barrage, là, il est un énigme pour moi aujourd'hui. Pour qui ça, une décision? Parce que moi, je dis que si barrage était quimbé toujours aujourd'hui, là, ça qui a passé là en termes de gang, qui. Ok, ou capable de dire qui côté décision a sorti. Mais est-ce que. Une décision pas qu'à prendre pour côté Il est un jour. Gang yo pas pour compte yo. Moi t'es premier ministre, moi t'ai dit que gang yo gagne maître. Yo gagne marine, yo gagne parrain, yo gagne papa, yo gagne maman. Est-ce qu'on comprend? Et ceci, c'est à tous les niveaux et de la société. Est-ce que j'en m'explique tête tout que ou gon business qui ouvre là et puis ou gon un groupe gang à gauche, un groupe gang à droite. Et puis chaque matin, allègrement, ou stock machine, ou vous descendez, je ne sais pas, village de Dieu, ou bien Cité Soleil, ou bien Kaiti Lapli, et pour aller dans le business chaque jour. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, même le commun des mortels, le simple citoyen, ou pas besoin, on expert en sécurité pour comprendre ça, je l'ai dit, ou pas besoin.
Colonel Rebu ou bien H.T. Larac ou bien Reginald Delva pour comprendre ce qui a passé. Et qui vont prendre l'entrée pour un gang ça. Mais là, on ne parle pas de monde qui est en Haïti. Mm-hmm. C'est cerveau là et ou encore monde qui a financé le gang. Exact. Il est en Haïti. Oui. Et moi, je dis tout que commerce, zame avec munitions. Yo pi florissant, yo fait plus cob là-dedans que drogue en Haïti. Et m'té non plusieurs réunions, m'té gagné des conférences que m'ta le faire aux États-Unis dernièrement. Et les gens de la diaspora me demandaient même premier ministre pour qu'ils soient faire un passe marque nous pas pardonner samedi. Dit nous pas besoin pardonner parce que désolé, m'pas tap kaba nous côté pour nous continuer à voyer zame vendre en Haïti. Parce que, écoutez, mais, l'autre jour, m'pon choc assez violent comme ça. Et moi, rentré dans Walmart. Et puis, m'tap cherché le matériel, une zone, ça y a pas qu'on a là-dedans. Et puis, m'rivé mon vitrine qui gon bon fusil. Campé là-dedans. Moi, pas, je me saisis comme ça. Je me dis, oh! Mais, le gouverneur descendit. Les sortes pour voter une loi là pour tout le monde à partir du 1er juillet, je crois. Bien zamou, acheter zamou, tant qu'on achète ton pâté ou bien on achète ton la couronne. Là encore, il faut qu'Haïti veille parce que il y a un pile de monde dans la diaspora. En pile, c'est bon monde. Mais pas oublier, dans chaque société, il y a un pourcentage d'affairistes, de psychopathes, des mondes qui pas bien en tête. Chaque société. Mm-hmm. Et c'est pour ça, et ma partie attention tout le monde sur ça, et chaque côté a un petit gang paye. Par exemple, mon côté malé Miami dernièrement, il était bon monde avec moi, et puis il dit, mais PM, sois venu chercher là. Il dit, comment ça venu chercher là? C'est quand ton monde est venu, il dit, non, moi, pas côté, je ne mets pas pied, non. Il dit, mais pour quelle raison? Comment on va côté, je ne mets pied? Et puis, on dit lui mettre dans la machine, n'est pas prêté, il dit non, m'a descend avant. Et puis l'homme tourne même, il a casé la machine là. Il a temps prend radio et puis il prend une valise mais pas de grand chose. Il était derrière. Est-ce que comprendre? Ça veut dire chaque pays qui t'a fait pas yo. Mais à la seule différence, faut qu'il rete dans trou côté OEA et gérer au là. Ça c'est qu'on s'allie dans tous les pays. Du Maintenant, vous pensez que prendre des décisions pour l'État qui est un représentant dans une zone à risque, yo, si vous avez le conseil, vous pensez que ce sont qui capable de faire? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres tables dans la zone. Non? Par exemple, dans le village de Dieu, je prends le village de Dieu encore. Moi, j'ai deux étudiants qui fait grandir universitaire en dans village de Dieu que moi connais très bien qui t'ai une relation avec moi et bon yo t'ai aidé tout dans structure que m'ai gagné. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire moun nan li là c'est la vie qui m'était là. Et puis premier job monsieur rejoindre. Yo quitté village de Dieu et même radio pas prendre. Vous prenez ça que à l'école et puis vous tout quittez. Mm-hmm. Parce que c'est circonstance la vie qui est dans le village de Dieu. PM, je te pose une question ça déjà. Relation était très bonne avec le président. Bon, écoutez, elle me dit bonne entre guillemets, parce que sinon, on t'a pris juste à ce que le mourit ensemble avec lui. Mais pas de gentil à ni croche, petit problème, petit échange bizarre, de l'ordre du passo, ou pas les respecter, et puis les quoi que soit aller, ou soit démissionner à ta bon boulot. Au fait, moi, président, je viens des accords, mais nous discutons. Mm-hmm. Nous discutons et nous toujours jouons en position. Et mitoyenne et pour nous continuer à travailler ensemble. Mm-hmm. Alors, quand je voulais arriver avant, c'est son déclaration que j'ai fait. Peut-être que je suis capable de mal interpréter, si ce n'est pas ça, dis-moi. Il y a des gens qui pensaient qu'on était démissionné parce que le président Mando, ça, c'est des déclarations que j'ai fait à la presse pour débloquer 80 millions
gourde pour distribuer par des journalistes qui parlent mal. Yo. Ou dit ou pas entrer dans la corruption, c'est ça que tu as à l'origine démission. C'est des déclarations au côté fait dans la presse. Bon, quittez-moi. Ça, je souhaite la dernière fois me parler sur ça. Parce que je ne vais pas parler sur là encore. Est-ce qu'on connaît pas mal de qui journaliste parce que je ne vais pas dire. Ce journaliste-là m'a appelé le jour de ma démission. Pour vous dire. Il parlait de Kobla. Il est bon montant. Bien sûr. Et puis, je tombe ri. Non, mais moi, je souris tout. Je dis, je ne crois pas. Non, il pas où. Il pas où. Je ris. Et puis, je me dis, le Kobla n'est pas bien. Le Kobla va dans la FAES. Parce que, initialement, c'est pour ça que le président a demandé. Et comme ça, il a demandé de débloquer pour faire ce travail. Et n'importe qui, le directeur de FAES, il a une blague là. Alors, et journaliste là dit, non, nous pas tout n'est-ce pas. Non, mais 80 millions, c'est beaucoup. Ah non, 80 millions, c'est un pile l'argent. Mais Mabdou, journaliste là dit, eh ben, wap démissionner pour ça. Non. Je vous jure sur ma foi. Ok, PM. Ok, n'a pas parlé de journaliste. Pas mandé qui journaliste. Non, parce jamais. Pas Mabdou. Je ne vais pas poser faire ça non okay. Plus. Mais même, je me demande est-ce qu'il n'y a pas de confusion dans le travail yo. Vous avez dit journaliste. Bien sûr. Et un journaliste, c'est comment gens ça définit. C'est-à-dire que moi-même, moi, quand je fais un petit moi, à part, que ce soit dans le sport ou bien dans la publicité, dans ceci, dans cela. Où est le Wendell Théodore? Non, je vous dis, ce que je vous dis, bon, ça arrive tout. Par exemple, mal animé mon cérémonie pour un monde. Et mais maintenant, pour un journaliste, météo, par contre, là, presque à blâmer, pour dire ou pas, ben, comme là, on va démissionner. Ah, bien sûr. Non, mais est-ce que c'était. Bonne histoire, puis bien, même si c'est la dernière fois, Abdil. Non, mais. Non, est-ce que c'est comme ça que fait que ou démissionner, effectivement? Au fait, c'est Yon Nan Yo. Parce mais c'est président qui te demande. Eh oui, Palais National, en fait. Non. Et au Vinde Kobla plusieurs fois. Tenez-moi. C'est la maison de Lucifer, c'est ça que je dis. Mm-hmm. Ça veut dire, dans l'entourage du président, il y a toute qualité bête là-dedans. Bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est le président qui. Est-ce que c'est Mounsayo qui est aux alentours du président qui dit il faut que ou débloquer ces 80 millions de gourdes pour distribuer à des journalistes ou bien est-ce que c'est le président lui-même? Initialement, le président a demandé pour me bailler faire scope pour le travail, c'était semaine sainte. Non, grande différence. Attendez. OK. L'homme fin prend disposition pour qu'on la sortie. Et puis, il m'a appelé pour me dire qu'il y a des gens parce qu'il y a des journalistes, et le monde est venu, il m'a dit l'oublier ça. Pour avoir une faillesse, parce que le président est tellement fâché parce que le directeur n'a pas de travail, alors que c'est moyen de gagner pour le travail, il doit tout fournir seul, il n'a pas de payer, l'argent ira trouver faillesse. Et puis, point boule. Mais alors, ça ne comprend pas, non. Comment fait l'argent ça? C'est des gens qui étaient dans l'opposition au président, parce que. C'était pour moun qui parlait mal. Non, il n'est pas pour moun qui parlait mal. OK, parce que bon, quand même le pouvoir avait ses alliés, il y a journalistes, il y a ingénieurs, il y a agronomes, il y a et dans n'importe l'autre métier. Mais j'aime dire là bon moins dur. L'un de ces journalistes là m'a appelé et il m'a dit eh ben wap démissionner. Et puis moi, à la réunion avec le président, la question est encore revenue. Et moi, je dis, c'est fini. So, la décision est prise. Kobla va jouer une faillesse parce que, initialement, c'est là pour le talé. Parce que le problème, et M. Théodore, moi, je n'ai pas de problème, non, pour quel que soit mon nom, et au travail, non, gouvernement, mais ils vous font un contrat. Qui pour aller dans la Cour supérieure des comptes, qui pour approuver lui, et puis vous recevez votre chèque, je ne sais pas, soit du ministère des Finances ou bien du ministère, n'importe quel ministère côtoyer. Moi-même, c'est consulté. Quand vous me demandez de signer un chèque pour sortir de l'argent cash, et puis pour me barrer le cash pour aller, et puis demain matin, ULCC ou bien UCREF ou bien. Maître Morin ou bien Maître Walter Voltaire, relim le pile dit sortez fait. PM Jout ou te prend 3 millions de gourdes.
telle date. Parce que yo gen information. Y a juge là qui a une information. Ou te font chèque ou prend 3 millions de gourdes le 20 décembre. Sorte favel. Même pas qu'a dit ça me te favel. M'pap ka di, et assez souvent, tant de professionnels, des directeurs, des ministres, qui ont des explications que pas ka bay, soit la justice ou bien comptabilité. C'est comme ça. Yo qui t'aide moun entre dans bonne grâce, yo fait comme la sortie sous non, yo pas diable, yo fin signe, yo prend le distribué, et puis à la fin de la journée, yo pas ka di ça, yo te fait comme la, et puis comme la, c'est nan men yo lié, et tout moun ap mache, dit c'est nan men yo lié. Par exemple, ma bon exemple. Moi gon matériel pour m'acheter pour sécurité. Le ministre de la Justice, tout le monde met de la donne parce que bon quand même, il faut que moi le présenter le devant président pour le well, des bails comme ça. Et puis deux mois après le ministre de la Justice est venu à mon bureau, j'ai signé les papiers pour décaisser l'argent, mais écoutez, c'est pas moi qui vais acheter matériel là. C'est le job du ministre de la Justice, les finances, la Banque Centrale pour les transferts et tout ça. Eh bien, l'autre jour, je m'ai regardé sur Internet. Hier même. Il y a un monsieur qui bat la tête, non. En tout cas, je ne sais pas si je suis un jeune homme. Sur Internet, là, son bon zombie. Il y a eu les têtes, Madame Tasse, Monsieur Le Bois Dormant, Monsieur Titi Quenti. Et puis l'autre l'a déclaré, pas un plus gros volet que Joute, parce que Joute prend comme. Il décaisse 1,2 million de gouttes pour le commande au matériel et puis il prend comme là. 1,2 million de dollars, bon dollars, pardon. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est des bagailles comme ça, il faut deal avec toute situation ça, yo, pour sortir bien la donne. Mais ce n'est pas sans qu'elle soit sortie. L'agent renseignement, côté comme ça, ça fait de comme ça. Et l'agent renseignement, par exemple, et mon cas dit en public jodi a moi té décaissé la donne 5 millions de gourdes pour me bail la police ça pour me financer parce que comme la police a gagné pour renseignement l'homme vini m'estimer que le pas assez moi bailo régulièrement 5 millions de gourdes pour renseignement dans la police là et pour aider tous des policiers qui ont difficulté leur souterrain. C'était 5 millions de gourdes et je le faisais religieusement. Et dans le système de sécurité, il y avait les CASEC, les AZEC, les délégués, à travers le ministre de l'Intérieur, moi j'étais financé service d'intelligence tout. Dans le niveau commune, section communale, département, parce que pour me collecter toute information, ça y a même besoin de moyens financiers pour ça. Parce que, il y a des informateurs, alors je parle de, par exemple, du directeur de la police, de DCPJ, de ministre de la Justice, de l'Intérieur, et ce n'est pas pour grand-mère s'il y a bonne information. OK? Il faut payer, et dans un moment, ça n'a pas qu'à les cartes de crédit, n'a pas qu'à avoir un chèque. Donc, ou gagner des gens qui travaillent avant, mais il faut jouer un cop pour bailler. Alors, c'est ça que j'ai fait avec l'agent intelligence. J'ai été financé intelligence avec elle et ça a marché très bien. Au cas de combien lié globalement? Je ne sais pas du tout, parce que c'est encore raison d'État qui fait pas du tout. Et puis ensuite, l'ICA a dispatché, parce que le palais national a gagné, et c'était même ligne là, et ministère intérieur, ministère de la justice, mais raison d'État, on parle de sécurité, mais pas capable. Très bien, très bien. Maintenant, vous pensez que pour le problème pays d'Haïti, résoudre question influence palais sur la primature ou vice-versa, est-ce que ce n'est pas un bagage qui a repensé? Ça dépend, moi-même, je n'ai pas d'influence sur moi, non. Oui, mais. Yo nuit. Ou qu'on gagne justement. Ah oui, yo vraiment toxique. Mais écoutez, qu'on gagne des conseillers du président Kirilo qui passent des instructions. Ah non. Ça pas te la donne. Et depuis le m'té ministre, et yo tout te connait qui est, yo en affaire et c'est pour ça
Je pas qu'il y grand pile qui était d'accord que le président ait choisi comme premier ministre. Il pas d'accord? Non. Il n'y tellement pas d'accord. J'avais un bon ami. L'homme dit un bon ami, c'est quelqu'un que je connais depuis 1990. Et qui m'a appelé au téléphone. Bon, il était au palais aussi. Et puis il dit, PM, mandé président pour le réunir tous les collaborateurs pour vous. Mandé une réunion avec eux. Et puis il me dit, OK. Et puis j'ai pris mon téléphone, j'appelle le président, même côté. Et puis il dit, OK, pas un problème, vous mettez descendre. Parce que j'ai une réunion avec eux, je dis, on va tout participer. Et puis quand je suis arrivé, je demande à mon nom, je dis, écoute, pour qui ça m'a obligé à faire ça? Ça gagne. Il dit, oh, bon, personne ne dit, pas qu'on a. Je dis, ah bon, eh bien, OK. On y va, président Chita, alors, on était à côté, je crois. Et puis, le président commence la réunion, et puis, il me dit, monsieur le président, et, je vais vous demander de me permettre une dérogation. Et puis, il me dit, quoi? Il me dit, je vais vous quitter, me présenter à chaque monde qui est là. Et, parce que je connais où il est dans la réunion pour présenter, même dans mon, pour quitter que c'est moi qui fais la présentation. Et puis il dit, allez-y. Parce que je suis jovenel, son monde, ça a peut-être sorti dans le c'est quelqu'un de très jovial. Et puis, je commençais, bon côté, je dis, ça c'est Ardouin Zéphirin, je l'ai connu délégué départemental du Nord, ministre de l'Intérieur, et moi j'étais à la FAO, on a fait ci, on a fait ça. Un tel, et je l'ai connu dans les années 80. Donc, dans un luxe détail, vous présentez tout le monde. Tout le monde. Et l'homme rivé sous Gabriel Fortuné de Regret et Mémoire. Moi, je dis, lui, c'est Jean-Gabriel Fortuné. C'est mon frère. Et on s'appelle pratiquement tous les jours. Et malheureusement, depuis nommé comme premier ministre, je ne m'a pas je ne pas qu'à jeûner. Et puis Gabriel, où qu'on est, monsieur, il y a un petit affaire. Monsieur dit, l'or il est moujouen de moi, parce que ça a fait nous parler. Ou l'or vient dans l'hôtel, là, parce que Malouka est souvent. Il dit, l'or vient dans l'hôtel, l'or il est pour me quitter place pour vous. Mais écoutez, l'or il est pendant le ministre, là, soit abdim. Et puis, je finis de présenter tout le monde. Et puis, le président dit, mais OK, je mets fin à la réunion. Merci. Et puis, je suis sorti. Bon. Je suis campé, le président passé, je suis lui, et puis il dit Premier ministre, il est dans le bureau. Et puis, je suis rentré. Monsieur dit mais où compte le pays? Je dis Monsieur le président, je connais les choses et les gens de ce pays, comme le dit Maurice Sixto. Choses et gens entendus. Voilà. Vu et entendu. Vu et entendu. Objectivement, sans penser de mouvement Bois-Caléa. Vous posez une mauvaise question. Mais je réponds en toute franchise. Comme toujours. Malheureusement, Haïti, tout comme les toujours quitté paysan, il y a un avocat monio pour y aller au lieu où on veut qu'on monte dans le tribunal et puis on tranche sans cob, sans pot de vin. On a obligé à le caillou gant, lire les avocats pâles pour faire tête de justice. Malheureusement, la population est obligée à agir en légitime défense pour battre tête de justice et pour procurer tête un minimum de sécurité. Mais je demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, de reprendre la sécurité du pays, de bailler un minimum de confiance à la population pour qu'ils ne soient pas obligés de référer à BK. Je ne vais pas dire gros mots comme ça. Oui. Moi, je vais le BK. Paysan, toujours un petit retenu ça. Merci. Moi-même, tout c'est BK, très souvent, je me dis là. Ah, ou qu'on dit le tout. Même si quelqu'un n'est pas d'accord. BK. Oui. Maintenant, vous pensez que c'est l'État pour prendre responsabilité? Oui. Mais l'État est toujours là. Je me suis dit au début, là, le bon job, il y a les privilèges.
il y a un cob que vous payez, mais ça vient avec les responsabilités. Il faut que chaque monde endosse la responsabilité pour cob avec privilège que le peuple a payé. C'est ça, M. Adjou. Vous pensez élection possible en Haïti aujourd'hui, hein? Élection possible dans tous les pays du monde. Comment candidat pour faire campagne? Ah, écoutez. Moi-même, je suis un monde qui est connu, même pas populaire. Ça veut dire, je n'ai aucune compétence pour être candidat en face, par exemple, un monde tant que Evans Paul. Je n'ai pas de compétence pour mal camper devant un candidat comme ça. Pour mal on l'autre côté, je suis un bon artiste, par exemple, qui est-ce que je prends? Je suis un prendre Chabat, par exemple. Ou bien je suis un prendre Isolant. Je ne suis pas populaire, même genre avec eux. Je ne suis pas un verbe, je ne suis pas animé foule, et des bagages comme ça. Donc, on candidat. Et on pas populiste, ni démagogue. Ah non, ça n'est pas là-dedans. Ça n'est pas là-dedans même. D'ailleurs, écoutez, ou on qualifie ton monde tant qu'on. Vous pensez que Vagabond est d'accord avec moi? Non. Je ne parle pas de moi. Et vous avez raison de parler même. Parce que je ne parle pas de moi non plus. Ça veut dire, si je suis candidat, je n'ai pas besoin de venir voter pour moi. Et chance pour moi en Haïti, il y a environ 7 millions de monde qui en droit et en âge de voter, c'est 1,5 million qui toujours participent dans... Autour de 1,5 million, 2 millions qui participent dans l'élection. C'est-à-dire que c'est la crème de la société parce que je ne vais pas aller voter. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, élection possible, et c'est pour ça que je demande à tout le monde qui a une folie, chef, tant pris s'il vous plaît, déjà pour 2 ans de transition là, mais Boukavel accompagner premier ministre aller dans l'élection pas ami Ariel pas rencontrer le certes comme professionnel nous pas jamais parler de temps en temps non nous pas parler de il pas reléo il pas reléo il pas gain téléphone moi ou pas reléo non plus non même pas besoin ni nous gain pour m'accompagner si me gon conseil pour me bailler. Le premier ministre a assez de monde autour de lui, bien avec eux. Et je suis allé n'importe là-dedans. Et je suis conseil, je participe tout dans la gestion du pays. Et c'est une obligation que, parce que je suis occupé déjà, je fais. Ensuite, PMKP, j'aime parler de ça avec vous, parce que moi, je recevais souvent. Je participe avec les anciens premiers ministres, nous avons monté le forum des anciens premiers ministres, nous discuter de tout ce qui se passe, que ce soit dans la région, et dans le pays ou bien dans l'international. Et nous-mêmes, à travers plusieurs couloirs, nous faisons gouvernement qu'on est, et qui est pour le prendre. Moi, je souhaitais que tout le monde qui gagne folie, tant pris. Donc tous les anciens PM vivants font oui. Partie non, pas de... tous, pas tous. Parce que, où qu'on est? Nous, d'horizon politique différent. OK? C'est très difficile. Bon, là, nous avons une réunion, c'est pas être tête chargée. Grosse discussion, parce que quand on a un Jean-Louis, moi, Jean-Louis, c'est un Jean-Louis. Vous connaissez ce qui était fait hier? Oh! Où est Sam Doula? C'est journaliste. Ouais, mais justement, vous n'allez pas d'accord que journaliste. Non, je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Mais justement. Qu'est-ce qui sorti là-dedans? Ben, on a pris des résolutions que nous avons fait à le gouvernement pour nous aider et accompagner pour nous arriver dans la période électorale. Là. Je souhaitais que. À quel niveau nous allons accompagner? Ben, avec nos idées. Nous ne sommes pas dans le poste et heureusement, et pas de personne dans l'équipe là qui a besoin de place pour le ministre. Là. Est-ce que vous comprenez? On est des citoyens, nous agissons, nous cogitons pour nous voir qui j'en a pas accompagné pour sortir de la situation. Combien d'anciens premiers ministres qui font partie de groupe là? On est 7 pour le moment. On est 7 pour le moment. Mais l'autre tout qui n'est pas venu, ils ont participé, ils ont nous conseillé. Et qui est-ce qui dépend l'initiative là? Au fait, l'initiative ça,
plusieurs premiers ministres prennent déjà. Mm-hmm. Et moi-même, je suis parlé avec un premier ministre qui ne fait pas de bien temps, fait déjà. Je me fait arriver premier ministre, c'est parce que je me des problèmes. Et puis, mon politique qui ne fait pas de cas avancer. Mais le comme et il faut maintenant le tap sous pied et le tap fonctionner correctement. Même gens, il y a un club des anciens premiers ministres. Oui, il y a en France. Un peu et partout autre, oui. Et dans le monde. Qui j'aime bien remercier, sinon que je suis content. Il y a une possibilité par la voix aujourd'hui. Et observer tout contenu parole, parce que là, entre nous, évidemment, il est des questions que, au bas moins, au bas métropole, et interview ça. Vraiment, PM, de content et échange que nous faisons matin. Hein, et vous gagnez la possibilité de placer un dernier mot. Bon, et c'est un autre mot. Et dernier mot, nous pouvons mourir. Nous avons bien pour nous parler encore. Mais l'autre mot, c'est de remercier Radio Télémétropole et pour m'avoir offert et l'opportunité de et parler à ses auditeurs, son honneur. Mais quand même, dernier mot pour aujourd'hui, hein, et ma première c'est vous qui a été très compréhensif, malgré ne pas qu'à respecter l'engagement que m'était pris envers Métropole et pour m'était parler, mais avec nous, et parce que moi pas de voulu parler non plus, et pas de besoin de parler. Et m'a profité de remercier le magistrat qui m'était mené autour parce que m'était un petit trou, magistrat. Juge-là. Juge-là. Mm-hmm. C'est lui qui fait me sortir. Parce que j'ai été à la cloche de bois dans le cabinet du juge. Et puis, moi, pensais m'a sorti, même genre. Mm-hmm. Et puis, l'homme sorti, j'ai vu tous mes amis journalistes. Et dehors, bon, je les aime beaucoup. Mm-hmm. Et content, ouais. Yo, mon qui était là, pas là, dans l'équipe là. Mon qui était là pour l'agent. Monsieur Théodore, c'est le dernier mot. Merci. Merci beaucoup. On est citoyen. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. On est citoyen. Entre désespoir, de machination politique et les nantis, mon éditorial, c'est tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'il y ait informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même.